De retour dans cette vidéo avec la partie 2 de mes meilleurs achats luxe à petit prix. On démarre avec mon achat le plus récent, le Ellipse MM de la maison Louis Vuitton, qui est une pièce vintage, un modèle que je voulais depuis déjà quelques temps. Donc j'étais ravie de le trouver à un prix vraiment incroyable, moins de 60 € pour cette pièce de luxe qu'on trouve habituellement autour de 200-300 €. C'est une bonne affaire, on va dire, mais habituellement c'est plutôt autour de 400-500 € pour une pièce Louis Vuitton vintage. Donc je vous laisse avec quelques close-up de cette pièce portée dans un look. J'avais vraiment envie de vous montrer cette pièce, même si je l'ai achetée il y a très longtemps, puisque j'avais 15 ou 16 ans. Ça vient d'une brocante vide-grenier de l'église à côté de chez moi, à l'époque, quand j'habitais chez mes parents. C'est un sac de week-end Dior Vintage des années 70 que j'ai payé 3-4 €. Je l'utilise très peu actuellement, mais c'est une pièce que j'adore et qui est en excellent état pour un prix dérisoire. Nouvelle fois sur un achat qui date énormément, puisque c'est un achat que j'avais fait sur eBay quand j'avais une vingtaine d'années. Je ne sais plus exactement combien je l'ai payé, mais ça devait être une cinquantaine d'euros grand maximum. Donc c'est un foulard en soie Yves Saint Laurent vintage et j'avais vraiment adoré les couleurs et il est totalement encore dans la tendance du moment. Ce que j'ai acheté tout récemment, une petite Gucci Pouch Boat en couleur rose nude que j'ai payé 47,19 € sur Vinted. Franchement, elle est en super état, à part la petite tache que je vous ai montrée juste avant dans la vidéo. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa anse réglable pour pouvoir le porter de plusieurs façons. Je vous laisse avec quelques close-up dans un look. Autre petite pépite de mes achats Vinted, cette paire de ballerines en état quasiment neuf que j'ai payé 88 € en 2018 avec facture. À l'époque, la personne les avait achetées en 2006 à 330 € et il me semble qu'elles sont à peu près à 600 € actuellement en magasin. Donc 88 € c'est vraiment une affaire en or parce que c'est un modèle intemporel qui existe depuis des années chez Chanel et comme vous pouvez voir, l'état est impeccable. On passe à ce sac Rocky de chez Alexander Wang, qui est franchement en très bon état, à part les coins légèrement râpés comme vous pouvez voir. Je l'ai payé 47 € frais de port inclus, sachant que c'est un sac qui coûte 900 €, enfin qui coûtait 900 € en magasin. Il est en couleur fluo jaune, hyper sympa dans un total look noir. Un autre achat vintage que j'adore, c'est mon trench Burberry Vintage Made in England que j'ai payé 68 € frais de port inclus. Une pièce intemporelle dans un état quasiment impeccable. Les boucles en cuir sont comme neuves, ce qui est très rare. Je viens de voir que j'ai oublié de mettre la ceinture pour la vidéo, la ceinture du trench, mais bien sûr, il y avait la ceinture avec. Le trench sortait du pressing. Bref, un achat vraiment coup de cœur. Une pièce intemporelle que je vais garder des années pour moins cher qu'une pièce de chez Zara. Un autre de mes achats coup de cœur, toujours sur Vinted, c'est ce cabas monogrammé Gucci. C'est le modèle Joy, si je ne me trompe pas. C'est un cabas en tissu et en cuir et il est vraiment ultra pratique, très léger.
Ça ressemble un petit peu à la forme du Neverfull de chez Louis Vuitton et je l'ai payé 30 € en remise en main propre, donc toujours sur Vinted. Et vraiment, je l'adore, je le trouve très chic, tout en noir avec le monogramme qui reste très discret. Il est hyper pratique, c'est vraiment un énorme coup de cœur ce sac. Un achat un peu plus cher que d'habitude, mais pareil, un énorme coup de cœur et un achat que je ne regrette absolument pas, c'est cette paire de mocassins Louis Vuitton en daim kaki qui peut aussi être portée en mule car on peut rabattre le derrière de la chaussure. Je les ai achetés 230 € négociés sur Vinted en remise en main propre neuve avec la boîte issue d'une vente personnelle Louis Vuitton et elles étaient à 750 € en magasin. Un sac que j'ai acheté en septembre 2020, toujours sur Vinted, pour 10 € en remise en main propre. J'ai adoré la couleur du sac, un peu lit de vin qui tire sur le violet. C'est un Marc by Marc Jacobs. Et j'aime beaucoup les anciens sacs Marc by Marc Jacobs car la qualité du cuir est assez incroyable. C'est des sacs qui coûtaient quand même entre 300 et 500 € à l'époque. Donc quand j'ai vu ce petit sac pour 10 €, j'ai pas pu résister et j'ai craqué. Je l'ai acheté et je regrette absolument pas. Je trouve que l'état est vraiment top pour un sac que la vendeuse a bradé à 10 € et c'est un sac très intemporel en plus. Encore une pièce d'exception. Dans ces moments-là, je me demande comment ça se fait que les gens vendent de telles pièces pour des prix aussi incroyables. Ce manteau Burberry Made in Italy, issu d'une collection de défilés tout en laine et en cachemire. Les détails sont magnifiques, son énorme col est amovible. Vous avez aussi le col tartan quand vous le retournez. Enfin, c'est une pièce sublime que j'ai payée seulement 68 € et qui était 100% neuve. C'est juste incroyable. Ce petit sac baguette Longchamp que j'ai acheté en février 2021 avec la anse réversible, totalement neuf puisqu'il m'a été fourni avec les étiquettes. C'est une édition limitée qui coûtait dans les 300 € en magasin et que la vendeuse vendait 4 € avec les frais de port. Il m'est revenu à 7,88 €. Il est en cuir et en laine imprimée purple, noir, tacheté et fait fausse fourrure. Donc une pièce vraiment hyper tendance et très sympa pour un prix totalement dérisoire. Une autre paire de chaussures, cette fois-ci des Jimmy Choo, que j'avais eu en vente privée chez Arletty. Si vous ne connaissez pas Arletty, je vous invite à aller voir mon article sur le blog où j'explique comment s'inscrire, comment accéder aux ventes. C'est vraiment accessible à tous. Et je les avais eu pour moins de 200 €. Je ne me rappelle plus exactement le prix exact, mais je crois que c'était 170 ou 180 €. Prix magasin dans les 600 €. Donc ça reste une très bonne affaire et une très jolie paire de mocassins de luxe. On passe au sac Pandora Box Small en python tricolore, donc beige avec des pois. Les côtés sont orange et le corps du sac est noir. Il est vraiment magnifique ce sac. C'est un sac qui était en édition limitée, qui coûtait entre 2000 et 2500 € quand il est sorti et que j'ai eu sur Vinted à 71 € frais de port compris. Il y avait quelques petits boulots de rénovation à faire dessus, mais rien de très difficile. Donc je trouve que c'est une sublime affaire et c'est un sac qui est vraiment magnifique et en plus qui est très pratique. Je vous laisse avec quelques close-up dans un look. Je pense que je vais conclure cette vidéo avec cette dernière pièce car on en a déjà fait pas mal, mais vous inquiétez pas, je vous promets, il y aura une partie 3. Donc le Fendi Chef avec perforation jaune orangé que j'avais eu aussi sur Vinted. La vendeuse le vendait comme étant satisfaisant et très abîmé, alors que voilà les seuls défauts que je suis en train de vous montrer, ainsi qu'une petite tache à l'intérieur du rabat. Comme quoi un sac très abîmé pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Je l'ai eu pour 56 € frais de port inclus.
Un grand merci pour avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour la partie 3 avec d'autres pépites Vinted.